This Jew sells Jews to the Gestapo. He is so good that the Gestapo gave him a car and he was allowed to create a gang, Les Jacques. And these people organized the hunting of Jews. They go into the streets talking Yiddish to people. If someone answers in Yiddish, he is arrested and sold to the Gestapo. The confrontation with death is shocking. I could have been one of those children. Thanks to my mother, I escaped it. The committee will hide 3,000 and more children in some 160 institutions. Institutions, most of them in those days in Belgium, are of Catholic origin. 3 to 4 have Catholic roots. This is how these children are hidden, between other children. Concerning my story, since the kindergarten, all was clear to me, but I still didn't see the period before the kindergarten clearly enough. This was a big secret. Lives of hundreds of children. Yes. Of children. Hundreds of children were hidden here. You can see that all the marks, all those are marks, were yes. Delivered. All the, to these were delivered. For her part, they were delivered to a safe place. Et comment est-ce que les noms de mes parents sont ici? Ça veut dire qu'un jour, elle a rencontré ces personnes. Oui. Qu'elle a, là, on ne sait pas encore, c'est nouveau. C'est nouveau, ça? C'est nouveau. Ah oui, c'était pas connu. Mais regardez, donc, c'est il y a une trace. C'est la rue? Oui, rue Blas. Rue Blas, voilà. C'est là qu'elle a pris un enfant. Et là, il faut fermer à ma ligne. Je ne sais pas le lire. Sera fermé à quelque chose en mal. Yud. Yud, c'est-à-dire non, juif, non, 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 non. Fermé à ma ligne. Enfermé à ma ligne. Sans doute que ça veut dire pour ça. Les parents envoyés, étaient, les parents ah oui, envoyés. Les parents à ma ligne. À ma ligne, c'est ça, ça. C'est ça qu'elle veut dire. Oui, ça c'est mon père. Le nom de mon père. Et voilà ma mère. Anna. C'est-à-dire, c'est Borjikovski, mais peut-être... Voilà, Borjikovski, mais parce qu'ils étaient mariés d'après la loi juive simplement. Ils ont mis Blackerman avec un petit Borjikovski ici. I was convinced that my mother had received some indication. She knew very well what she was doing and why. But who helped her? At last, I found the missing link of my past. Il faut savoir placer les enfants. The child was delivered. Quand c'est barré, ça veut dire que l'enfant a été OK. Que l'enfant a été mis quelque part. Ça c'était André Gollet. Et André Gollet, elle vit toujours. Où est-ce qu'elle est? À Bruxelles. Vous avez l'adresse? Oui, oui, je vais vous la passer tout de suite. Et c'est une femme extraordinaire. C'est-à-dire que c'est elle qui m'a... At last, she was there, the one who saved me. I wanted to meet her as quick as possible. But the visit at Mrs. Guélain was not what I expected. Madame Guélain is today an elder lady, alive and intelligent. She is totally different than Marcel de Meulemeester. But probably this was the necessary character to have for the dangerous job that she did during the war. Alors, je vous explique hein, comment on faisait. Vous pouvez revenir à mon nom, le nom de mes parents, si vous voulez. Non, parce que je n'ai pas votre nom. C'est pour ça que je vous dis, pour vous, je ne peux pas faire ce que j'explique d'habitude, parce que, pour moi, une fois que vous êtes allé à l'entraide des travailleurs, et c'est-à-dire que vous avez probablement été pris en charge sur le plan financier, on n'a pas demandé l'argent. Mm-hmm. À partir du moment où nous ne devions pas être là pour soutenir la famille qui vous avait, vous n'avez pas, dans tous les cas, vous n'êtes pas dans mon répertoire, vous n'êtes pas dans mon fichier. Mm-hmm. Hein, j'ai cherché partout, j'ai cherché à Borsikovski, j'ai cherché à Blockerman, je n'ai pas trouvé. Quand on a commencé à s'organiser, c'est-à-dire le CDJ a commencé à fonctionner réellement
en septembre-octobre 1942, c'est-à-dire après les premières grandes rafles de juillet 1942. Et alors, bon, il y avait nous avions deux boîtes aux lettres clandestines. Et dans ces boîtes aux lettres clandestines, on venait nous mettre les messages. Qui ça? Vous savez qui ça? C'est même difficile pour moi de le dire, c'est-à-dire que, vous savez comment la communauté juive vivait? Ils appartenaient chacun à un groupe. Il y avait la solidarité juive, qui étaient les gens, qui étaient les communistes, il y avait le Bund, il y avait le Linke Position, le Rechte Position. Tous ces gens avaient des délégués qui venaient nous donner, qui venaient nous apporter des papiers, des appels au secours. Ah. Bon. Et ils savaient qu'il y avait deux adresses où on pouvait déposer des demandes. Une partie de notre groupe cherchait des places. Et ça, c'était Brigitte, qui était une très grande résistante dans notre réseau. Elle avait une lettre de recommandation de l'évêché, de l'archevêché de Malines. Et elle se présentait dans les couvents et elle obtenait 5 places, 6 places, 7 places, 8 places. Puis, Yvonne Jospa, vous connaissez certainement le nom, elle cherchait des places parmi... disons, les organismes officiels. Donc, elle obtenait des places là. Alors, il y avait, si vous voulez, un sac avec des places. Et puis, il y avait ce carnet avec les enfants à cacher. Donc, nous avions des réunions, Ida Sterno et moi, avec Brigitte et Yvonne. Et Brigitte me disait, moi, j'ai 3 places pour des petits garçons à Bruges. Et Yvonne disait, moi, j'ai 5 places. Hein, une maison dans les Ardennes. Et alors, voilà. Vous demandez à quelqu'un de nous prendre là-bas? Et alors, bon, en général, c'est moi qui allais chercher les enfants. C'est-à-dire que là où j'avais été, vous comprenez, c'était toujours la même personne. Moi, j'allais chez les parents. Et tout ça devait aller extrêmement vite. Hein, c'était pas quelque chose qui devait prendre des semaines. Donc, je voyais un enfant un lundi. Je disais aux parents, préparez une valise. Je viens le chercher dans 48 heures. Mais il faut le tenir prêt. Bon, donc 48 heures après, les petits, j'allais les chercher à la maison. Pourquoi? Parce que les parents hésitaient à sortir à la rue. Hein. Les gens étaient cachés, donc ils ne sortaient pas à la rue. Mais il y avait des enfants que parfois les voisins de la famille nous emmenaient à la gare. Parce que quand il y avait une dizaine d'enfants qui devaient partir... À l'intérieur d'un groupe d'enfants, il y avait un départ, par exemple, de 60 gosses pour une colonie du secours d'hiver. On en mettait 4 ou 5 à nous. Mais c'était tout le monde tellement dangereux. Oui, évidemment, c'était dangereux. Vous savez, c'était par ailleurs tellement réconfortant et réjouissant ce qu'on faisait comme travail. De dire, quand on avait été chercher un enfant, qu'on le savait à l'abri dans les Ardennes ou dans les Flandres, c'était tellement réjouissant de se dire, c'est toujours un enfant que les Allemands n'auront pas. Hein. L'arbre, pour moi, c'est quelque chose de spécial. C'est l'espoir, si tu veux, l'éternité. Quand moi je ne serai plus ici, l'arbre et leur nom sera encore là pour dire à tout le monde ce qu'ils ont fait de bon.